Merci Seigneur, gloire à ton nom Seigneur Jésus de Nazareth, tu es le Dieu tout-puissant Seigneur, tu es le Dieu merveilleux mon Père, tu es le Dieu redoutable Seigneur, tu es celui qui est assis dans les lieux élevés, Papa je viens élever ton saint nom Seigneur ce soir, parce que nul n'est comme toi ô Dieu, nul n'est comparable à toi, nul n'est égal à toi. Tu dis un mot et la chose s'accomplit. Tu changes les ténèbres en lumière.
lumière. Tu changes les peines en joie. Tu changes les pleurs en rire, oh Dieu. Tu es le Dieu véritable, l'unique à ton genre, Seigneur. Toi qui as fait du ciel ton son trône et de la terre ton marchepied. Seigneur, je viens t'élever, oh Dieu. Je viens glorifier ton nom, Seigneur. Je viens célébrer ton nom, Papa. Je viens exalter ton saint nom parce que la Bible déclare, Seigneur, oh Dieu, que tu es l'unique et le véritable Dieu. Et avant toi, il n'y a point été formé de Dieu. Après toi, il n'y en aura point. Tu es Dieu par toi-même. Tu es le créateur de toutes choses. Tu es l'opéra de miracles, Seigneur, mon Dieu, Père. Tu es le Père de toutes possibilités, Seigneur. Et rien n'est impossible, Seigneur, à toi, oh Dieu. Tu es Dieu, Seigneur. Tu es le grand Dieu, Seigneur. Et tu t'appelles le grand Je suis, Seigneur. Tu es le Dieu véritable, oh Père, car tu es le même. Hier, aujourd'hui, éternellement. Papa, je te suis fort reconnaissant, Seigneur, mon Dieu, Père, pour ta fidélité et pour ton amour, Seigneur, mon Dieu. Sois béni encore, au Père, pour ce moment favorable que toi, tu nous donnes, Seigneur, de nous présenter devant toi, Seigneur, mon Dieu. Au Père, de nous présenter, au Seigneur, mon Dieu, au-devant de ton trône de grâce, Seigneur, pour célébrer ton nom, Seigneur, pour écouter ta parole, Seigneur, mon Dieu, au Père éternel, toi qui es le Dieu véritable. Tu as dit dans ta parole, approchez-vous de moi et je m'approcherai de vous. Seigneur, ce soir, nous nous approchons de toi, Seigneur, à seul fin que toi, tu t'approches de nous, Seigneur, mon Dieu, Père éternel, toi qui es notre Dieu, Seigneur. Et la Bible déclare, Seigneur, que nul n'est venu auprès du Père et rentré tel qu'il était venu. Nous avons la foi, Seigneur, quand nous approchons de toi, Seigneur, nous ne rentrerons pas, Seigneur, mon Dieu, Père éternel, tel que nous sommes venus, Seigneur, car c'est toi la solution de la solution. Tu connais, Seigneur, mon Dieu, le problème de tout un chacun. Tu connais le problème de tes enfants, Seigneur. C'est toi qui donnes la solution, Seigneur, et c'est toi la réponse, Seigneur, mon Dieu, Père éternel, aux questions de tes enfants. Sois loué, Seigneur El Shaddai. Sois loué, ô Père éternel, toi le Dieu très haut. Tu t'appelles Jéhovah Jireh. Tu t'appelles Jéhovah Shammah. Tu t'appelles Jéhovah Tchikenu. Tu t'appelles El Shaddai. Tu t'appelles Jéhovah Rohi. Ô Père éternel, nous bénissons ton nom. Toi le Dieu omnipotent, le Dieu omniprésent et le Dieu omniscient. Seigneur, sois élevé encore une fois. Entre les côtes de tes divines et saintes mères, Papa chéri, nous te recommandons, Seigneur, mon Dieu, au Père éternel, au sept silences d'enseignement, Seigneur, mon Dieu, au Père éternel. Ô Père, que ton sang couvre la vie de tout un chacun, Seigneur, qui nous suive de près ou bien de loin, Seigneur, pour la gloire de ton nom. Que nous soyons tous invisibles aux yeux de l'ennemi invulnérable, aux flèches enflammées de l'ennemi inattaquable, au diable et à ses acolytes, cela au nom de Jésus-Christ. Cher Saint-Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Amis fidèles, nous avons besoin de toi. Viens prendre le contrôle de nos vies. Viens nous enseigner. Viens renouveler notre intelligence. Viens nous ouvrir les yeux spirituels. Viens nous parler. Viens toucher nos cœurs. Alléluia, Hosanna. Viens, cher Saint-Esprit de Dieu, nous rappeler les promesses de Dieu, car nous voulons être les témoins véritables de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Seigneur, parce que tu es Dieu. Merci, Seigneur, parce que tu es le Tout-Puissant. Toi qui es l'alpha et l'oméga, tu commences avec nous, Seigneur. Tu vas cheminer comme Emmanuel et tu vas terminer avec nous, Seigneur. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous t'avons ainsi prié au Père et nous disons merci, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Alors, shalom, 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 bien-aimé dans le Seigneur. Shalom, shalom, chère femme. Shalom, oui, nous sommes là encore en train de continuer la course. Nous sommes encore au mois de mars, le mois de la femme. Alors, je viens saluer toutes les femmes. Que le Seigneur vous bénisse là où vous êtes. Que le Seigneur vous ouvre son bon trésor. Alléluia, qui est le ciel. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Que le Seigneur pourvoie à vos besoins. Que le Seigneur réponde à vos questions. Que le Seigneur donne des solutions à tous vos problèmes. Que le Seigneur réalise les projets de vos cœurs. Parce qu'il est votre Père, il est notre Père. Et il est au rendez-vous. Dieu a besoin de la femme. Dieu aime la femme. Dieu a vraiment besoin de cette femme-là qui se lève. Alléluia. Alors, soyez bénis, bien-aimées femmes. Soyez bénis. Alors, comme d'habitude, je dis toujours, pour les femmes qui sont nées en 1972, vraiment joyeuse, joyeux jubilé, joyeux anniversaire. Que le
le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse. C'est votre année, alléluia. C'est notre année, alléluia. Que le Seigneur soit glorifié. Alors, joyeux anniversaire. Maintenant, pour aujourd'hui, bien-aimées femmes, Dieu a un plan merveilleux pour une femme. Alors, je viens avec un thème vraiment qui va nous mettre sur chacune à sa place, là où nous devons être. Parce que pour ce mois de mars, Dieu est venu avec un thème général que nous sommes en train de décortiquer un peu par la grâce de Dieu sur la femme, lève-toi. Femme, lève-toi. Et aujourd'hui, je viens avec un sous-thème sur femme, lève-toi. Il y a un point d'exclamation et on nous dit Dieu cherche les pleureuses. Femme, lève-toi, car Dieu cherche les pleureuses. Alléluia. Bien-aimée dans le Seigneur. Alors, c'est qui une femme? J'explique toujours. C'est vrai, ceux qui ont l'habitude de suivre ces enseignements que je donne sur la femme, Dieu vraiment m'a fait cette grâce-là. Et je ne prends pas ça comme étant granted, comme nous disons en anglais, mais je prends ça vraiment comme une grâce que le Seigneur m'a accordée de pouvoir dispenser les enseignements de la femme. Alors, la femme qui me suit est bénie parce que Dieu a mis une parole dans ma bouche pour t'édifier. Amen. Alors, notre thème aujourd'hui, c'est « Femme, lève-toi. Dieu cherche les pleureuses. Femme, lève-toi. » On n'a pas dit « Les femmes, levez-vous. » Mais on dit « Femme, lève-toi. » Donc, ici, là, mon thème s'adresse à une femme. Nous ne généralisons pas, mais que chacun se dise « Oui, cette femme-là, c'est moi. » Cette femme-là qu'on parle ce soir, c'est moi. Et quand tu vas prendre que cette femme-là, c'est toi, tu vas te mettre à ta place et tu vas écouter ce que l'Esprit de Dieu va nous enseigner. Femme, lève-toi. Dieu cherche les pleureuses. Alléluia. Alors, une femme, bien-aimée, qui est une femme? Une femme, c'est un être humain adulte de sexe féminin, en opposition de la fille. Alors, quand on est encore enfant, quand on est encore jeune, on est fille ou jeune fille. Mais quand nous atteignons l'âge adulte, on devient des femmes. Alors, on devient une femme quand nous atteignons l'âge adulte. Donc, femme, lève-toi. On ne s'adresse pas aux petites filles, on ne s'adresse pas aux petits enfants, mais on s'adresse aux femmes. À celle-là qui est mature, celle-là qui est adulte. Amen. Femme, lève-toi. On peut aussi être femme, vous êtes adulte, vous avez encore la mentalité des enfants. Ici là, la Bible, ici là, nous parlons aux femmes matures. Cette femme qui est adulte, cette femme qui a compris quelle est sa position, qui elle est. Amen. Alors, femme, lève-toi. Alors, une femme bien-aimée dans le Seigneur peut être une épouse. Une femme peut être une mère. Une femme peut être une conjointe. Une femme peut être une tante, une camarade, une copine. Une femme peut être une amie. Une femme peut être une camarade. Alléluia. Alors, lève-toi. Femme, lève-toi. Se lever, c'est se mettre sur ses deux pieds. Se lever, c'est se mettre sur ses deux pieds. Alors, quand on dit « lève-toi », on est debout. On n'est pas allongé. Certainement, on était allongé hier. Certainement, on est en train de dormir. Alors, quelle est votre position? Ici, nous disons « femme, lève-toi ». Alors, si vous étiez en train de dormir, vous devez vous lever. Si vous étiez encore accroupi, vous devez vous lever. Si vous étiez couché, levez-vous. Femme, lève-toi. Femme, lève-toi. Se lever, c'est être en position debout. Être active, être en mouvement. Femme, lève-toi. Lève-toi, ça ne signifie pas être assise. Quelle est ta position? Toi, femme qui me suis, chère femme, quelle est ta position? Es-tu debout?
ou bien es-tu assise? Es-tu allongée? Peut-être tu es fatiguée, peut-être tu es accablée des situations. Et tu as pris une position, tu as dit non, assez c'est assez, je suis fatiguée, je lâche. Et tu t'es allongée. Et tu as baissé les mains. Et tu as dit non, je tourne la page. Femme, lève-toi. Lève-toi, femme, lève-toi. Il y a un point d'exclamation. Lève-toi. Lève-toi d'un bond. Se lever, c'est être mu de haut en bas. De bas en haut plutôt. Vous étiez en bas, vous devez vous lever. Amen. Alors, lève-toi. Dieu cherche des pleureuses. Qui est Dieu? Alléluia. Parce qu'il y a des gens qui ne connaissent pas qui est Dieu. Ils vivent, ils ne savent pas qu'il y a un Dieu qui est au ciel, qui les a créés. Il y en a qui sont étrangers à la vie de Dieu. Ils vivent, ils respirent, ils ne savent pas que le souffle de vie qu'ils ont est renouvelé par Dieu. Si Dieu ôte ce souffle, ils deviennent vides, ils sont zéro. Mais ils ne savent pas qui est Dieu. Alors, Dieu bien-aimé, c'est l'être suprême. Dieu est l'unique. Il est le créateur de l'univers visible et invisible. Il est le créateur incréé. C'est lui Dieu. Il s'appelle l'Alpha et Oméga. Il est au-dessus de toutes choses. C'est lui notre Dieu. Celui qui renouvelle ses bontés dans nos vies. Il est Dieu. Lui qui a fait du ciel son trône et de la terre son marchepied. Il est Dieu. La Bible déclare qu'il a le monde entier entre ses mains. C'est lui Dieu. Il est l'incomparable, il est l'incommensurable, il est l'incréé. C'est lui Dieu, l'auteur de la création. C'est lui Dieu, l'être suprême. Il est au-dessus de toutes choses. Il est au-dessus, il est assis dans les lieux élevés. C'est lui Dieu. Alors Dieu nous dit, la Bible déclare que Dieu cherche les pleureuses. Il cherche les pleureuses. Femme, lève-toi. Femme, lève-toi. Dieu cherche les pleureuses. Dieu est au-dessus de toutes choses. Dieu est doté d'une perfection absolue. Il est parfait. Il est absolument parfait. Et il constitue le principe du salut de l'humanité. Il est Dieu par lui-même. Alors, Dieu cherche des pleureuses. C'est quoi chercher? C'est quoi chercher? Chercher, c'est l'effort pour trouver quelque chose. Fournir des efforts. Alléluia. Fournir des efforts de trouver quelque chose. Se mettre en action, de chercher quelque chose ou quelqu'un dont on ignore où il se trouve. Exactement. Vous êtes en train de chercher, vous êtes là en train de chercher quelque chose. Mais où est-ce que se trouve ma paire de chaussures là? Où se trouve? Vous êtes en train de chercher. Donc, vous ne savez pas exactement là où se trouve votre chose et vous êtes là en train de chercher. Femme, lève-toi, tu cherches des pleureuses. Alors, c'est qui une pleureuse? Une pleureuse, c'est une personne qui pleure. Ou qui est en train de pleurer. Une pleureuse, c'est aussi une personne qui témoigne d'une position à larmoyer, à se plaindre. On ne pleure pas parce qu'on est dans la joie. On ne pleure pas parce que non, tout marche. Mais on pleure parce qu'il y a quelque chose. On pleure et on est en train de se lamenter. Pourquoi on pleure? Parce qu'il y a quelque chose qui nous fait pleurer. Dieu dit qu'il cherche des pleureuses. Alors, des pleureuses, ce sont des femmes dont on loue les services dans certains pays. Dans certains pays, on loue des femmes. On les appelle des pleureuses pour suivre soit le cortège funèbre et pleure le mort.
Et donc, dans certains pays, il y a des femmes comme ça. On vient, on les loue, on paye l'argent pour qu'ils puissent accompagner un cortège de funérailles. C'est ça des pleureuses. Alors, femme, lève-toi. Tu cherches des pleureuses. Alors, nous allons lire dans le livre de Jérémie, chapitre 9, verset 17. Jérémie, chapitre 9, verset 17. La Bible déclare, « Ainsi parle l'Éternel des armées. Cherchez, appelez les pleureuses et qu'elles viennent. Envoyez quelqu'un vers les femmes habiles et qu'elles viennent. » Dieu dit, « Allez-y, appelez les pleureuses. » Appelez-les qu'elles viennent. Appelez qu'elles viennent. Appelez les pleurer, c'est-à-dire interpeller, attirer l'attention. Attirer l'attention des pleureuses. Parce que Dieu a besoin des pleureuses. Dieu a dit, appelez-les qu'elles viennent. Interpellez-les qu'elles viennent. J'ai besoin d'elles. Dieu a besoin d'une femme pleureuse. Femme, lève-toi. Dieu cherche des pleureuses. Alléluia. Envoyez vers les femmes habiles, c'est-à-dire celles qui exécutent avec adresse et compétence. Des femmes compétentes de quelque chose de ses mains, qu'elles viennent, celles qui sont compétentes. Vous voyez, Dieu n'a pas besoin de faibles. Dieu a besoin de femmes habiles, des femmes courageuses, des femmes fortes. Dieu a dit, appelez-les qu'elles viennent ici. Et Dieu t'appelle, toi qui me suis. Dieu a besoin de toi. Dieu dit, appelez-la qu'elle vienne. Appelez-les, j'ai besoin d'eux. J'ai besoin d'elles, des femmes courageuses, les femmes habiles, les femmes dynamiques, les pleureuses. Appelez-les qu'elles viennent. Et quand nous lisons le même verset dans la version Martin, Jérémie 9, verset 17, la Bible déclare, « Ainsi a dit l'Éternel des armées, recherchez et appelez des pleureuses afin qu'elles viennent et amender des femmes sages. » On parle des femmes sages. Donc les femmes pleureuses, les femmes dynamiques, ce sont des femmes sages. Et Dieu a besoin de ces femmes-là. Dieu a dit qu'elles viennent. Dieu veut que les femmes se présentent devant Dieu. Ces pleureuses-là, qu'elles viennent se présenter devant Dieu. Bien-aimés, les larmes des femmes sont puissantes. Et Dieu veut voir ces femmes-là qui pleurent devant lui. Appelez les pleureuses. Recherchez et appelez les pleureuses afin qu'elles viennent émonder les femmes sages. Qu'elles viennent. Dieu a besoin de la femme de se présenter devant lui. Les femmes qui pleurent, pas pour des futilités, mais les femmes qui ont compris la volonté de Dieu. Les femmes qui connaissent la loi de Dieu. Les femmes qui craignent Dieu. Des femmes sages. Des femmes courageuses. Appelez-les et qu'elles viennent. Femme, lève-toi. Dieu cherche des pleureuses. Mais pourquoi Dieu cherche des pleureuses? Pourquoi Dieu cherche des pleureuses? Dieu a besoin des femmes qui ont compris la vision de Dieu pour elles. Celle qui a compris pourquoi Dieu la cherche. Celle qui a compris pourquoi Dieu l'a créée. Celle qui a compris pourquoi elle doit respecter Dieu. Dieu a besoin de la femme. Femme, lève-toi, parce que tu es en mission sur cette terre. Dieu t'a envoyé sur cette terre pour accomplir une mission.
Mais aujourd'hui, les femmes sont là, on fait des restaïla. La femme a oublié sa place. La femme est dans le monde. La femme est dans les querelles. La femme est dans les jalousies. La femme est dans les gossips, dans l'impudicité. La femme est dans des endroits là où qui ne glorifie pas Dieu. La femme est dans le monde. Femme, lève-toi. Dieu a besoin des pleureuses. Dieu a besoin des pleureuses. Les pleureuses, ce sont des femmes qui se mettent à la brèche. Des pleureuses sont des femmes intercesseuses. Des pleureuses, ce sont des femmes qui craignent Dieu. Celles-là qui se lèvent quand il y a un problème. Qui cherchent la face de Dieu. Qui cherchent la solution à leur problème auprès de Dieu. Quand il y a un problème, ils tournent le regard vers Dieu et en train de chercher Dieu. Femme, lève-toi. Dieu a besoin des femmes qui pleurent, des femmes pleureuses, pas des femmes qui pleurent pour des choses du monde, pas des femmes qui pleurent pour des futilités, mais Dieu a besoin des pleureuses. La Bible déclare appeler les pleureuses. Interpellez-les que j'ai besoin d'elles, qu'elles viennent. Femme, Dieu t'appelle. Femme, Dieu t'appelle. Dieu a besoin de femmes dynamiques, des femmes habiles, des femmes battantes, des femmes courageuses comme Marie, mère de Jésus. Cette femme-là, malgré qu'elle était encore toute jeune, elle était courageuse, elle n'avait pas vu aux obstacles. Elle n'avait pas fait attention à ce que les hommes pouvaient dire. Mais elle avait fait confiance en Dieu. Dieu a besoin de femmes comme Marie. Dieu a besoin de femmes comme Anna. Dieu a besoin de femmes comme Esther. Dieu a besoin de femmes comme la Tsunamite. Dieu a besoin de femmes comme Marie de Magdala. Et Dieu a besoin de femmes comme toi. Toi qui me suis. Dieu a besoin de toi. Bien-aimée femme, tu dois savoir que tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui. Et Dieu t'attend. Voilà pourquoi elle a dit interpellez les femmes, les pleureuses, qu'elles viennent. Dieu veut que toi tu viennes, que tu sois sa confidente. Dieu veut que tu sois celle-là qui cherche à connaître la volonté de Dieu. Mais qu'est-ce que Dieu veut? Quelle est la volonté de Dieu pour ma vie? Quelle est la volonté de Dieu pour ma famille, pour ma maison? Quelle est la volonté de Dieu? Femme, lève-toi. Lève-toi. Dieu cherche des pleureuses. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons lire dans le livre de Jean. Jean chapitre 8, versets 1 à 18. Je crois que vous allez lire ici, c'est l'histoire de Marie. Je veux vous relater l'histoire et chacun pourra lire à son temps libre. Donc notez ce chapitre, Jean chapitre 20, versets 1 jusqu'à 18. Et nous allons prendre quelques points, quelques versets que j'ai épinglés pour savoir de quoi il s'agit. Mais je veux vous relater l'histoire. Ici, on nous parle de Marie de Magdala. Marie de Magdala était une femme que Jésus-Christ avait délivrée de sept démons. Et ça, vous pouvez lire dans le livre de Luc, chapitre 8, verset 2. Là-bas, vous allez voir que Jésus-Christ avait délivré Marie de Magdala. La Bible déclare qu'elle était possédée de sept démons. C'est la Bible qui le dit. Luc, chapitre 8, verset 2. Alors, Marie de Magdala, c'était cette femme-là qui vraiment était attachée à Jésus-Christ. Marie de Magdala, c'était cette femme-là qui connaissait Jésus-Christ.
Et elle était parmi les femmes qui ont soutenu Jésus-Christ dans son ministère. Alors tous nous connaissons l'histoire de Jésus. Jésus a accompli sa mission. À la fin de sa mission, Jésus, on l'arrête. Jésus jugé devant, comparu devant Caïphe et Pilate. Jésus flagellé. Jésus battu de verges. Jésus traîné à la croix, couronné d'épines, percé aux côtés. Et Jésus-Christ est mort à la croix. Et on ensevelit Jésus. Le premier jour, Jésus dans le tombeau. Le deuxième jour, Jésus dans le tombeau. Et le troisième, Jésus-Christ est ressuscité. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Marie-Madeleine, elle, comme elle avait goûté les bontés de Jésus-Christ, elle savait que non, Jésus est Dieu. Cet homme de Galilée m'a délivré de cette démon. Bien-aimé, quand on parle de la possession, peut-être que cette femme-là, quand nous disons qu'elle était habitée de cette démon, peut-être que chaque démon avait une légende. On ne nous a pas dit ça. Mais elle était possédée. Mais donc cette femme-là, c'était une femme misérable avant de rencontrer le Seigneur Jésus-Christ. C'était une femme qui était peut-être rejetée par les gens. C'était une femme qui n'avait pas de valeur, qui n'avait pas de sens. Mais comme elle avait réalisé, non, Jésus-Christ, si aujourd'hui je suis devenue comme ça, moi qui étais rejetée, aujourd'hui on peut me regarder. C'est grâce à cet homme. Et quand il était parmi nous, il nous a enseigné qu'il est le chemin, la vérité, la vie. Il est la mort et la résurrection. Mais comment ? Aujourd'hui, là, Jésus-Christ est mort et est resté dans le tombeau. Moi, je dois voir clair de cette histoire. Alors, un bon matin, le lundi matin, Marie se leva et alla au sépulcre, là où on avait enterré Jésus. Quand elle arrive, elle remarque que la pierre qu'on avait mise pour fermer le tombeau de Jésus, la pierre était roulée. Elle a dit non, mais qu'est-ce qui s'est passé? Alors, elle a regardé, elle a vu que le corps de Jésus n'était plus là. Elle dit, non, il y a quelque chose qui s'est passé. Elle a couru, elle a fait demi-tour. Elle est partie vers les disciples de Jésus-Christ. Quand elle arrive, tout le monde était là et dit, j'ai regardé, le Seigneur n'est plus dans le tombeau. Alors, il y a deux disciples qui se sont levés, Jean et plus un autre qu'on n'a pas dit le nom. Ils ont couru, ils sont arrivés au sépulcre. Quand ils arrivent, le tombeau était vide. L'autre est venu, il a couru, il est rentré. Maintenant, quand il a fait les constats, eux tous, ils sont partis. Marie a dit non. Vous partez, moi je ne pars pas. Je dois rester ici pour savoir qu'est-ce qui se passe. Je dois connaître qu'est-ce qui s'est passé. Je dois voir la fin de cet épisode. Vous voyez même quand nous suivons parfois un film. Quand vous êtes en train de suivre le film, vous pouvez voir qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Peut-être l'acteur est touché. Mais tu vas dire que non. Mais l'acteur, normalement, dans un film, l'acteur ne meurt pas. Mais il y a quelque chose. Mais je dois voir la fin de cet épisode. Qu'est-ce qui va arriver? Marie-Madeleine est restée. Elle a dit, je dois savoir qu'est-ce qui se passe. Mon Jésus à moi, mon Dieu, mon sauveur, lui qui m'a guéri, lui qui m'a délivré, que je laisse parce que j'ai vu que le tombeau est vide, je pars comme ça. Il y a quelque chose qui s'est passé. Lui, il disait qu'il va ressusciter. Mais je suis arrivée, je n'ai plus vu. Marie a commencé à pleurer. Marie a commencé à pleurer. Et il dit, non, 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 il y a quelque chose qui se passe ici. Je dois voir clair où est Jésus. Où est mon sauveur? Elle est rentrée. Quand elle rentre dans le tombeau, à cause de ses pleurs bien-aimés dans le Seigneur, Dieu ouvre les yeux de Marie et voit deux anges. L'autre, là, on avait mis la tête de Jésus et là, l'autre, là, avait les pieds de Jésus. Et on lui demande, femme, pourquoi pleures-tu? Alléluia! Oh, femme, pourquoi pleures-tu? C'est ça la question que nous devons nous poser. Mais pourquoi moi je suis en train de pleurer aujourd'hui? Qu'est-ce qui te fait pleurer? Pourquoi pleures-tu, femme? Est-ce que tu sais pourquoi tu pleures? Mais Dieu a besoin des pleureuses. Des pleureuses comme Marie.
qui pleure pour des causes justes, qui pleure pour chercher la face du Seigneur. Marie est en train de chercher la face du Seigneur. Elle devait savoir, mais qu'est-ce qui se passe? Dieu a besoin de pleureuses comme Marie. Femme, pourquoi pleures-tu? Pourquoi pleures-tu? C'est ça la question qu'on a posée à Marie. Et ici, mon thème dit, femme, lève-toi, Dieu a besoin de pleureuses. Dieu cherche des pleureuses. Bien-aimée, Marie a pleuré. Et les pleurs de Marie ont touché le cœur de Dieu. Et Dieu l'a ouvert des yeux pour voir les anges. Bien-aimée dans le Seigneur, si vous êtes une femme pleureuse, Dieu va vous ouvrir les yeux. Vous allez voir les anges de Dieu parce que vous pleurez pour la cause juste. C'est pour ça que Dieu vous a créé, bien-aimée dans le Seigneur. Ne pleurez pas pour des futilités, mais pleurez parce que Dieu a besoin de votre intercession. Vos pleurs, c'est ça l'intercession. Vos pleurs, c'est une prière qui va et qui touche le cœur de Dieu. Femme, lève-toi. Dieu cherche des pleureuses. Es-tu une pleureuse ou une dormeuse? Es-tu une pleureuse ou une gossipeuse? Es-tu une pleureuse ou bien je ne sais pas quoi? Femme, lève-toi, Dieu cherche des pleureuses. Alors, en pleurant ainsi, je m'excuse. En pleurant ainsi, ça ne s'est pas arrêté là. Alors, donc là, c'est au verset 10 et 15 jusqu'à 15. Les anges se sont... Dieu a ouvert les yeux de Marie pour voir des anges. Marie a dit, c'est parce qu'on a pris mon Seigneur. Et je ne sais pas là où on l'a mis. Alléluia. Elle n'a pas arrêté de pleurer. Elle a continué à pleurer. Et quand elle a continué à pleurer, ses larmes ont touché le cœur de Jésus. Il a dit, Marie. Jésus-Christ s'est révélé à Marie à cause de ses pleurs. Jésus-Christ s'est révélé. Elle a appelé Marie. Avant d'appeler Marie, Jésus l'a dit, femme, pourquoi pleures-tu et qui cherches-tu? Parce que tu peux être en train de pleurer, mais tu ne sais pas pourquoi tu pleures. Tu peux être en train de pleurer, mais en train de chercher les choses du monde. Tu peux être en train de pleurer et en train de chercher des futilités, des choses qui ne valent rien. Des choses qui n'ont pas de gain. Femme, pourquoi pleures-tu et qui cherches-tu? Marie ne savait pas encore que c'était le Seigneur Jésus-Christ. Elle dit, Seigneur, si c'est vous qui l'avez pris, dites-moi là où vous l'avez mis et j'irai le chercher. Jésus a eu compassion de Marie. Il a compris que Marie avait compris la vision. Marie avait compris son appel. Marie avait compris la mission. Jésus a dit, Marie. Donc, à cause des pleurs, Jésus appelait Marie par son nom. Bien-aimée, à cause de tes pleurs, si vous êtes une femme pleureuse, une femme qui pleure dans l'intercession, une femme qui pleure dans la prière, Dieu va vous appeler par votre nom. Alléluia. Marie! Et Marie a répondu, Rabboni, qui veut dire maître. Et à la fin de toute chose, Jésus a donné une mission à Marie. Elle dit, va dire à mes frères que je vais vers mon Père qui est votre Père, vers mon Dieu qui est votre Dieu, et dis-leur de me précéder, je les précède en Galilée et de me suivre en Galilée. Bien-aimée, à cause des pleurs, Marie était devenue évangéliste. À cause des pleurs de Marie, Jésus-Christ a envoyé Marie vers les disciples. Mais où étaient les disciples? Dieu n'a pas dit à un homme. Dieu n'a pas dit, je cherche le pleureur. Mais Dieu cherche des pleureuses.
et l'âme d'une femme sont puissantes, bien-aimées. Femme, lève-toi. Femme, lève-toi. Dieu cherche des pleureuses. Femme, lève-toi, Dieu cherche des pleureuses. Alléluia. Bien-aimée dans le Seigneur, une femme pleureuse renverse des situations. Quels que soient les problèmes que vous pouvez avoir, quelles que soient, bien-aimées, les montagnes, quels que soient les vents et marées qui s'élèvent contre votre vie. Si vous êtes une femme pleureuse, cette femme qui pleure dans le jeûne, cette femme qui pleure dans la prière devant Dieu, bien-aimée, trouve la solution. Cette femme renverse des situations. Cette femme, bien-aimée, débloque des situations qui sont difficiles. Et quand nous lisons, bien-aimée, dans le livre de 1 Samuel, chapitre 1, verset 8, la Bible déclare, Elkana, son mari, lui disait, Anna, pourquoi pleures-tu? Alléluia. Anna, pourquoi pleures-tu? C'est la même question. Une femme qui pleure dans la présence de Dieu, c'est une femme victorieuse. Une femme qui pleure dans la présence de Dieu, c'est une femme bien-aimée distinguée. Dieu vous distingue quand vous pleurez dans sa présence. Une femme qui a fait de Dieu son confident, cette femme est distinguée. Ici, là, Elkana a parlé à Anne, sa femme. Mais pourquoi pleures-tu? Parce qu'Anne avait un problème. Quand vous lisez le livre de 1 Samuel, chapitre 1, vous allez voir là-bas, on parle de Anne. Anne était stérile. Sa stérilité ne venait pas d'un homme. Sa stérilité venait de Dieu. 1 Samuel chapitre 1 verset 5, vous allez voir quand vous lisez, vous allez voir que Anne était frappée de la stérilité, mais sa stérilité venait de Dieu, ça ne venait pas d'un homme. Et Anne pleurait parce qu'elle était mortifiée. Anne avait une rivale qui l'a mortifiée. Mais le jour où Anne avait pris la décision d'aller pleurer dans la présence de Dieu, les choses avaient changé. Amen. Anne avait conçu son enfant Samuel. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu a besoin des pleureuses. Dieu n'a pas besoin des femmes qui sont fatiguées seulement, qui se lassent comme ça, qui lâchent prise. Dieu n'a pas besoin des femmes qui lâchent prise. Mais Dieu a besoin des femmes décisives, celles qui se mettent au front, qui se disent « je me lève ». À l'instar de Esther. À cause des situations, des problèmes, Esther s'est levée. Elle a dit ce qui va arriver n'a qu'à arriver. S'il s'agit de périr, que je périsse. Dieu a besoin de ces femmes-là qui n'ont pas peur. Des femmes courageuses. Il y avait une loi qui frappait dans le royaume. Mais Esther n'avait pas regardé à cette loi. Elle avait mis sa confiance en Dieu. Dieu veut les femmes qui mettent leur confiance en lui. Des femmes qui ont compris. Dieu a besoin des femmes pour opérer, pour agir. Femme, lève-toi. Lève-toi pour ta nation. Lève-toi pour tes enfants. Lève-toi pour ton mari. Lève-toi pour ta famille. Femme, lève-toi. Femme, lève-toi. Je cherche des pleureuses. Es-tu une femme pleureuse? Es-tu une femme pleureuse? Même pour tes enfants, lève-toi. Je veux vous faire un témoignage. Peut-être vous allez vous dire, non, mais moi je viens de me convertir. Je viens de me convertir. Je ne connais pas vraiment le Seigneur comme il faut. Bien-aimé, ça ne dépend pas du temps. Dieu, pour te visiter, n'a pas besoin du temps de où tu l'as connu. C'est-à-dire, ça ne dépend pas du temps où tu t'es converti ou du temps où tu l'as connu.
Bien-aimé, une fois, j'avais mis au monde. Quand j'ai mis au monde, alors c'était notre premier fils. À l'âge de, je crois, de 6 semaines, l'enfant a commencé à avoir mal au ventre. L'enfant a commencé à avoir mal au ventre, mal au ventre. On a essayé de voir les pédiatres pour regarder peut-être il y a quelque chose. Les pédiatres ont prescrit des produits. Ils ont dit non, un enfant, quand un nouveau-né souvent a des problèmes, des maux de ventre, comme ça, donc donnez-lui des produits et ça va passer. Alors, on a donné des produits, ça n'a pas marché, on a donné des produits, j'ai dit non. Alors, on a commencé à prier. On a commencé à prier avec mon époux, on a commencé à prier. Alors, qu'est-ce qui se passait? L'enfant pleurait. Quand il commence à pleurer, à partir de 20h, l'enfant commence à 20h précise. Il va commencer à pleurer jusqu'au petit matin. Donc, d'où je ne pouvais pas pleurer. Et je ne pouvais pas dormir, l'enfant ne pouvait pas dormir. Alors, une nuit, mon mari est parti au travail. Alors, cette semaine, il travaillait la nuit. D'où je suis restée avec le bébé à la maison. J'étais toute seule dans la maison. Alors, l'enfant s'est mis à pleurer. À 20h, l'enfant a commencé à pleurer. J'ai commencé à prier. J'ai commencé à prier. J'ai commencé à prier. Donc, 20h, 21h, 22h, 23h, 24h, 1h, l'enfant ne faisait que pleurer et je ne faisais que prier. Alors, finalement, à la fin, je suis fatiguée. Je me suis mise à pleurer maintenant devant Dieu. J'ai dit, Seigneur, je suis fatiguée. Je ne sais pas ce que je dois faire pour que mon bébé puisse arrêter de pleurer. Je ne sais pas ce que je dois faire pour que ce mal puisse quitter le bébé. Et je ne peux pas concevoir qu'un petit bébé de 6 mois, et plutôt de 6 semaines, puisse avoir un mal qui le dérange où on ne peut pas trouver la solution. Même moi, sa mère, je suis là avec l'enfant. Je ne sais pas comment prendre soin de mon bébé, comment je peux donner la solution à cet enfant qui pleure, un bébé qui commence de 20h. Je suis maintenant 1h du matin, j'ai dit Seigneur, je suis fatiguée. J'ai pleuré devant Dieu. Je pleurais devant Dieu et quelque temps après, j'ai senti comme un assoupissement. Bien-aimé dans le Seigneur, j'étais, vous savez, en Afrique, souvent on dort sous la moustiquaire. Alors, j'ai senti comme un assoupissement. J'ai vu quelqu'un rentrer, un homme rentrer dans la chambre. Il ouvre la porte de la chambre, il referme la porte. Et à côté de mon lit, de notre lit, il y avait une chaise. Il tire la chaise, il prend la moustiquaire, il ferme. Tout ça, c'est dans une vision. Il ferme la moustiquaire, alors il me dit, donne-moi l'enfant. Je lui ai donné l'enfant et il a touché le ventre de l'enfant. Il a sorti un truc, un grand truc, comme un crabe. Un gros crabe. Il m'a montré. Il a dit, tu as vu ce qui faisait pleurer l'enfant? Alors, il a pris l'enfant, il m'a remis l'enfant. Il a pris encore la moustiquaire. Il a descendu la moustiquaire comme il était. Il a remis la chaise à sa place. Il a ouvert la porte. Il est sorti. Il a refermé la porte. Et aussitôt, j'ouvre les yeux. C'était une vision. J'ai dit, Seigneur, mais Dieu était présent ici. Dieu m'a visité, bien aimé dans le Seigneur. Aussitôt, quand je regarde le bébé dormait profondément. C'est comme si l'enfant ne pleurait pas. C'est comme s'il n'y avait rien. L'enfant dormait profondément en un clin d'œil. Bien aimé, 10 ans, c'est comme 10 jours. Avec le Seigneur. 10 ans, c'est comme 10 heures avec le Seigneur. Voilà pourquoi, quand la Bible nous dit que Jésus revient bientôt, on ne sait pas quand est-ce que Jésus va revenir. Bien aimé, nous devons être prêts. Donc, ce qui s'est passé en quelques temps, en quelques secondes, c'est comme si quelque chose qui s'est passé après beaucoup de temps. Dieu a besoin de pleureuses. Dieu a besoin de femmes pleureuses. Des femmes qui ont compris que les problèmes que nous avons, c'est la solution, c'est auprès de Dieu. Dieu a besoin de ces femmes-là qui pleurent devant lui. Qui cherchent la solution auprès de lui.
qui se confie en lui. Femme, lève-toi. Dieu a besoin de pleureuses. Dieu est en train de chercher les pleureuses. Elle dit, appelez les pleureuses et qu'elles viennent. Femme, où es-tu? Es-tu une pleureuse ou bien tu es une lamenteuse? Es-tu une pleureuse ou bien tu es une querelleuse? Femme, lève-toi. Dieu cherche des pleureuses. Bien-aimés, quand vous pleurez devant Dieu, quel que soit le problème que vous avez, ça peut être une situation de la maladie. Ça peut être un problème de travail. Ça peut être un problème de stérilité. Ça peut être un problème difficile, bien-aimé, je ne connais pas votre problème. Le Saint-Esprit connaît quel est votre problème. Mais si vous êtes une femme pleureuse, bien-aimé, Dieu va vous honorer. Dieu va faire de grandes choses. Alléluia. Dieu cherche des pleureuses. Femme, lève-toi. Quand vous êtes une femme pleureuse, bien-aimée dans le Seigneur, vous serez une servante de Dieu. Dieu va commencer à vous utiliser. Vous serez différente. Vous serez différente. Marie de Magdala était partie. Elle était partie pour annoncer la bonne nouvelle de la résurrection. Dieu cherche des femmes à qui elle va confier la mission. Celles qui ont compris. Les femmes dynamiques, les femmes sages. Vous êtes où, chères femmes? Vous êtes où? Ce mois, c'est le mois de la femme. Dieu m'a mandaté pour parler à une femme. Faut pas généraliser ton cas, chère femme. Faut pas généraliser ta situation. Faut pas être celle-là qui dit toujours que mais nous dans notre famille, oui c'est ça notre problème, c'est comme ça. Faut pas te dire que nous, mais ça ne marche pas chez nous. Mais faut être une femme qui a mis sa confiance en Jésus. Comme Anne. Comme Ruth. Comme Esther. Femme, lève-toi pour ta famille. Femme, lève-toi pour ton foyer. Femme, lève-toi pour tes voisins. Femme, lève-toi pour ton entourage. Femme, lève-toi. Dieu a dit, allez-y, appelez les pleureuses. Et qu'elles viennent. Allez-y, appelez les pleureuses et qu'elles viennent. J'ai besoin des pleureuses. J'ai besoin des femmes là avec lesquelles nous allons dialoguer. Des femmes que je veux commander, des femmes que je veux envoyer, des femmes qui respectent ma parole, des femmes qui me considèrent, des femmes qui ont des respects pour les choses de Dieu. Femme, lève-toi pour accomplir la mission de Dieu. Dieu veut que tu te lèves parce qu'il a une mission qu'il veut te confier. Cette mission peut-être c'est dans votre famille. Les gens ne connaissent pas Dieu dans votre famille. Vous êtes l'unique personne qui connaisse le Seigneur dans votre famille. Et Dieu dit, lève-toi. Allez-y m'appeler cette femme-là. Qu'elle vienne. Alors Dieu t'appelle, viens, approche-toi de lui. Parce que Dieu veut te confier des choses. Dieu ne peut pas te confier des choses si toi tu ne t'approches pas de lui. Il veut que tu viennes avec des pleurs. Et que tu parles. Parle à Dieu. Quel est ton problème? Quelle est ta situation? Pourquoi ça ne marche pas dans votre famille? Le Seigneur, peut-être, toi, t'as mis déjà à part. Le Seigneur t'a ouvert les yeux pour voir ce qui se passe dans votre famille. Mais Dieu veut t'utiliser pour sortir cette famille de cette malédiction. Mais tu es là en l'air. Tu t'es dit, non, ça va. Moi, je suis bien, ça marche. Pour le reste, ce n'est pas mon problème. Ce n'est pas pour ça que Dieu t'a appelé.
Dieu veut par toi délivrer cette famille. Dieu veut par toi délivrer aussi tes soeurs. Dieu veut par toi aussi sauver les gens de ta nation. Dieu veut faire de toi une grande dame dans votre nation. Mais où es-tu? Tu es là encore en train de papillonner. Tu ne sais pas ce que tu cherches. Tu ne sais pas ce que tu veux. Mais Dieu a dit, appelez les pleureuses. Appelez les pleureuses et qu'elles viennent en moment. Femme, lève-toi. Je cherche les pleureuses. Alors j'ai une question à te poser. Es-tu une pleureuse? Alors, sinon, alors à partir de maintenant, prends la résolution de te lever. Prends la solution de te lever. Certainement, tu étais fatigué des situations. Tu étais agacé et tu as dit non, je lâche prise. Mais aujourd'hui, je viens t'interpeller. Tu as dit interpelle les femmes, qu'elles viennent les pleureuses. Dieu a besoin de vous, chère femme. Dieu a besoin de nous. Dieu veut nous utiliser. Dieu veut faire des grandes choses. Alors, pour ce soir, bien-aimés dans le Seigneur, je m'arrête là. Que le Seigneur vraiment vous bénisse. Prenez cet enseignement, mettez-le en pratique. Cherchez Dieu, bien-aimés. La Bible déclare, cherchez Dieu pendant qu'il se trouve. C'est maintenant. C'est maintenant. C'est maintenant le moment de chercher Dieu. Le moment de chercher la face de Dieu. Le moment de venir vers Dieu. Le moment de pleurer. Le moment de prier devant Dieu. Pleurer pour sa nation. Pleurer pour ses enfants. Pleurer pour son entourage. Pleurer pour son mari. Pleurer pour sa vie. Pourquoi ça ne marche pas dans ta vie aujourd'hui? Dieu n'a pas besoin que tu sois une femme guérilleuse, mais sois une femme pleureuse qui pleure pour la cause juste. Quand mon mari l'avait fait, elle était au sépulcre en train de pleurer son maître, en train de pleurer, où est Jésus? Il est où Jésus? Il est où mon maître? Il est où mon sauveur? C'est ça. Que le Seigneur bien-aimé, dans le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous accorde sa grâce. Que le Seigneur tourne son regard favorablement sur vous, afin que vous deveniez ces femmes-là que lui dit. Comme dans Jérémie, chapitre 9, verset 17, il dit, allez-y, cherchez et appelez les pleureuses, qu'elles viennent. Je suis venu vous interpeller, comme le Seigneur m'a demandé, que je vous interpelle, que vous venez à nous. Alors, je vais faire la prière. Je veux nous recommander entre les mains du Seigneur, que le Seigneur tourne son regard favorablement sur la vie de tout un chacun, au nom de Jésus. Père trois fois saint, Dieu de miséricorde, nous bénissons ton nom de ce que tu es fidèle. Nous bénissons ton saint nom de ce que toi tu as choisi, la femme. Nous bénissons ton nom parce que tu as un plan merveilleux, Seigneur, pour la femme. Ma prière est que, Seigneur, ce soir, que tu tournes ton regard, Seigneur, oh Dieu, sur cette femme qui a ouvert son cœur devant toi. Celle qui veut devenir, Seigneur, une pleureuse, Seigneur, dans ta présence. Celle qui a compris, Seigneur, mon Dieu, ta vision, Seigneur. La vision pour laquelle, Seigneur, mon Dieu, tu l'as appelée, Seigneur. Celle qui a compris le pourquoi, Seigneur, tu l'as créée une femme. Celle qui a compris, Seigneur, le pourquoi, Seigneur, elle est appelée femme. Seigneur, entre les creux de tes divines sentiments, je les recommande, Seigneur. Tourne ton regard favorablement. Accorde ta grâce, Seigneur, à la femme, oh Dieu, de te connaître et qu'elle devienne, Seigneur, celle que toi tu veux qu'elle soit pour la gloire de ton nom. Père, dans le nom de Jésus-Christ, que le plan de l'ennemi, Seigneur, contre la vie, Seigneur, mon Dieu, oh Père, de tes enfants, sois banni, Seigneur, et cela au nom de Jésus-Christ. Nous t'élevons, Seigneur, mon Dieu, comme un étendard dans la vie de
cette femme qui a accepté, Seigneur, de devenir, Seigneur, une pleureuse. Bénis, Seigneur, mon Dieu, au Père, la vie de tes enfants. Glorifie ton nom, Seigneur, mon Dieu, au Père, et accomplis, Seigneur, mon Dieu, ta volonté dans la vie de tout un chacun. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié, et nous disons merci, Seigneur, Jésus, qui nous a associé. Gloire et louange à toi, Seigneur. Accomplissement, Seigneur. Amen. 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 Soyez bénis, chère femme. Soyez bénis, bien-aimés dans le Seigneur. Alors, pour ce soir, nous arrêtons là. Nous nous arrêtons là. Demain, c'est jeudi, à partir de 20h30, nous allons commencer notre prière, notre programme, la session de prière jusqu'à à triompher. Le serviteur de Dieu, le révérend Serge, il sera là avec nous. Il va nous enseigner la parole de Dieu qui va nous emmener dans la prière. Prayer is the key to open doors. Donc, demain, soyez là. Nous serons là pour la prière. Priez jusqu'à triompher. Bien aimé, si tu ne peux pas gagner, tu ne peux pas gagner dans la vie chrétienne si tu n'es pas une personne, une femme ou bien un homme de prière. Alors demain, nous serons live. Connectez-vous à nos chaînes YouTube, que ce soit ITPM Media ou bien les femmes du tabernacle. Donc demain, soyez connectés à partir de 20h30. Nous serons live. Que le Seigneur vous bénisse. Passez une bonne soirée dans la présence du Seigneur. C'était votre humble servante de Dieu, Pasteur Ruth. Seigneur vous bénisse. Shalom.